militaire. Il a été remis en état aux couleurs militaires qu'il avait pendant la guerre. Les pipères, ma foi, sont tellement réduits à l'essence, tellement simples. C'est l'essence de l'avion, le pipère. Et ben, ce sont des avions. L'avion qui nous a. Bah écoutez, c'est assez simple. Un peu de mépris avant la guerre. Maintenant, le meilleur aéroport du monde. La Royal Air Force, durant l'été 1940, près de 4000 avions militaires allemands, bombardiers et chasseurs, qui étaient massés principalement en France et en Belgique face à l'Angleterre. Chasseurs anglais capables de prendre l'air, et bien donc la Royal Air Force, durant 3 mois, s'est opposée chaque jour où il faisait beau, s'est opposée à la Luftwaffe allemande, semblable à celui-là. Les nerfs, un bon moteur, et là le moteur est un Rolls Royce. Sur cette version-ci, c'est un Rolls Royce Griffon, 12 cylindres anglais, 45 litres de cylindre. Il fallait être pur et sans tâche. Et ben, le Spitfire a été en quelque sorte une épée Excalibur pour les jeunes gens, les pilotes de la Royal Air Force de la bataille d'Angleterre. On regarde. Qui frotte contre les parois gauche et droite. Quand on referme la petite verrière, on a l'impression que c'est un casque transparent. C'est minuscule là-dedans. Les troupes allemandes en Angleterre. La Royal Air Force, donc, à 1 contre 5, avec des avions, des Spitfire et des. Allait donc lutter contre la Luftwaffe pendant 4 mois. Vous freinez un peu fort, vous mettez l'avion sur le nez, ça coûte une fortune parce qu'il faut changer l'hélice. Mais une fois que vous avez maîtrisé les tremblements de vos genoux, que vous êtes arrivé à bout de piste. Par le hurricane. C'est pas faux, mais. L'histoire n'est pas toujours écrite comme les hivers avaient décidé que tous les Spitfire survivants, donc celui-là compris, alors qu'il est immatriculé en France.